Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à tous, je suis Clara Dorès et j'ai créé Parentalité en Confiance pour apporter des réponses, des solutions aux parents qui rencontrent des difficultés au quotidien. D'accord. Je suis consultante en parentalité et accompagnante en allaitement. Très bien, bah aujourd'hui on va parler de ta casquette d'accompagnante en parentalité. Il me semble que tu as aussi des outils de Faber et Maslisch. Est-ce que tu veux bien nous en parler s'il te plaît? Alors oui, je suis animatrice Faber et Maslisch. Et donc, d'où vient cette approche? Ça vient de Adèle Faber et Hélène Maslisch, qui sont deux mamans qui, dans les années 60 aux États-Unis, ont assisté à des groupes de guidance parentale avec un psychologue, Haïm Guinot. Et elles ont trouvé que c'était tellement impactant dans leur vie de maman au quotidien avec leurs enfants, qu'elles ont eu envie de partager toutes ces connaissances qu'elles ont acquises avec le plus grand nombre de personnes dans le monde entier. Et donc, elles ont écrit un ouvrage, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, sous la forme d'un atelier, pour pouvoir faire en sorte que de nombreux parents y aient accès partout. C'est plutôt génial. Du coup, en quoi consistent ces ateliers? Alors, ces ateliers, ils sont basés sur la transmission d'outils de communication. Et d'abord, j'aurais dû commencer par là, par l'expérimentation. Mmh. C'est-à-dire que on va vraiment placer les parents dans une posture où on va leur faire vivre des expériences, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent. Et à la suite de ça, on va leur présenter des outils de communication qui peuvent les aider dans ces situations qu'on vient de voir au quotidien. Donc, par exemple, quand j'ai envie de punir mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Quand mon enfant n'est pas assez dans la coopération avec moi à mon goût, qu'est-ce que je peux faire? Et donc on livre ces outils de communication et ensuite on les pratique tous ensemble pour permettre à un maximum de parents chez eux quand ils reviennent à la maison. C'est dans le concret quoi. Exactement. Donc c'est des jeux de rôle, c'est ça? On fait des jeux de rôle, okay. On fait des exercices de mise en situation. Et ils repartent chez eux, du coup, avec la pratique. Et du coup, j'imagine bien que ces parents-là se retrouvent parfois dans le jeu de rôle de l'enfant pour pouvoir ressentir une punition, une accusation, quelque chose que les enfants vivent au quotidien. Parce que exactement. Ils ont des parents. Et que c'est pas toujours facile aussi. Ouais, tout à fait. D'accord. Parfois, les parents qui sont présents à l'atelier vont avoir le rôle de l'enfant. D'autres, le rôle de l'adulte. Et parfois encore, ils vont tous avoir le rôle de l'enfant. Et c'est moi, en tant qu'animatrice, qui vais avoir le rôle de l'adulte. Et donc, encore une fois, on va les faire réagir par rapport à ça. On va les faire débriefer entre eux. Et il n'y a rien de plus concret, finalement, que l'expérience et le vécu. On est complètement d'accord. Moi, j'avais fait des ateliers... Alors, je lis beaucoup. Je lis un livre ou deux par semaine sur développement personnel. Mais je me suis octroyée du temps pour me former à la communication non-violente. J'ai fait 3 modules, donc sur 3 week-ends. Donc, très dense. À ne pas faire 3 d'affilée, je ne conseille pas, parce que c'est tellement... important, toutes les informations qu'on a et les expériences qu'on fait, il faut, je pense, infuser. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est en sortant de ces temps de formation où ma vie a changé, en fait. Parce que j'ai ressenti, j'ai expérimenté et c'est concret, en fait. C'est vrai que dans mes lectures, moi, après, je fais des résumés et je relis mes résumés. Donc, évidemment, ça reste. Mais si, et pendant un moment, je faisais ça, c'est pour ça que je me suis mis à faire des résumés, c'est que quand j'ai fini mon livre, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir appris plein de trucs, je le referme et il se passe quasiment plus jamais rien en lien avec tout ce que j'ai pensé apprendre. Donc c'est pour ça que je trouve ça magique d'avoir ces ateliers-là, parce qu'on est dans l'expérimentation et on ramène du concret à la maison. Exactement. Et en plus, on se revoit sur plusieurs semaines. Ce qui veut dire qu'on découvre des outils, on les expérimente, on repart chez soi, on teste avec nos enfants, parce que l'avantage avec les enfants, c'est qu'ils nous donnent plein de situations pour lesquelles on peut pratiquer. Et puis ensuite, quand on revient en atelier la fois d'après, on peut débriefer sur ce qui s'est passé et on attaque de nouveaux points. Ce qui veut dire que pendant plusieurs semaines, on est vraiment accompagné sur des outils de communication. On est soutenu, il y a d'autres parents, j'imagine qu'il y a une plus-value aussi à être entouré d'autres gens qui vivent les mêmes détresses que nous. Oui, tout à fait. Une des grandes valeurs en fait, de ces ateliers, c'est de se retrouver avec d'autres parents, de déculpabiliser par rapport à ce qu'on peut vivre à la maison, quand on se sent parfois en échec par rapport à son enfant. Et puis... le partage, moi j'ai fait ça chez moi, ça a fonctionné. C'est extrêmement riche de pouvoir avoir des parents qui échangent entre eux. C'est rassurant aussi de se dire, ça marche là-bas, peut-être que si moi je le fais peut-être différemment parce qu'on n'a pas le même enfant, ça pourrait peut-être aussi fonctionner. Tout à fait. Très bien. Et puis c'est un espace aussi où il n'y a que des adultes, donc j'imagine que on souffle un peu de notre rôle de parent. C'est une vraie bulle d'oxygène pour les parents. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes, en fait. D'avoir un espace de bienveillance où on n'est pas jugé par les autres, dans lequel on peut vraiment déposer ce qu'on a sur le cœur et puis apprendre de nouvelles choses, pratiquer. C'est ça, puis c'est une plus-value familiale parce que si on rentre aussi déjà plus détendu avec des outils qu'on les met en pratique à la maison, ça va
c'est plus simple, quoi. C'est plus agréable. Oui. Et d'ailleurs, ça fonctionne avec tout le monde. Bah, les enfants, mais le conjoint, les amis, la famille. Les relations, en fait. On apprend à recommuniquer parce que, comme dit si bien Jacques Salomé, c'est qu'on a appris à parler, mais pas à communiquer. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi formée, parce que je me suis dit, quand même, en tant que professionnelle de la communication, d'être éducatrice, il va bien falloir qu'on s'y mette concrètement parce que c'est quand même pas ce qui nous est inculqué en formation. Non. Et pas voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je trouve que c'est formé. Il va falloir qu'on justement fasse cette démarche, comme dans les ateliers par exemple, pour apprendre. Donc c'est génial. Et par ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans les outils de communication qui sont transmis au cours de l'atelier, c'est que ce sont des outils qui n'abîment pas l'estime de soi de l'enfant. Ce qui veut dire qu'on peut lui manifester son mécontentement, son désaccord, et ça ne vient pas finalement lui causer du tort durablement sur qui il est à l'intérieur de lui. En fait, la manière de communiquer va être juste, en fait. Exactement. On parle de soi sans culpabiliser l'autre, de tout ce qu'on ressent. C'est tout un travail très intéressant et vraiment, je vous invite à découvrir tout ça. Ben, merci beaucoup Clara pour ces informations richissimes. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir.